Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse et d'interprétation d'actualités politiques que nous avons lancé ici à CPL TV. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité politique et sociale, nous les mettons sur la table, nous les analysons. D'où d'ailleurs le thème évocateur de cette émission qui dit « Décrit Actu ou Décrit Info », c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. C'est notre feeling à nous. Mais comme je l'ai dit et je le répète toujours, que ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Je ne suis pas un prophète et je ne vous appelle pas à dire oui et amen à tout ce que j'ai dit ici. J'expose mes propos, mes analyses et mes arguments aux étemperies de vos critiques parce que je sais que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. La lumière finit toujours par jaillir. Appelez-nous, critiquez-nous, donnez vos remarques au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Ceux de nos téléspectateurs qui l'ont déjà fait peuvent en témoigner. Nous décrochons vos appels et nous discutons volontiers de la marche de notre pays. L'actualité dans le pays, c'est cette douloureuse histoire de ces deux jumeaux qui ont été assassinés à Kinzamvo, étaient dans la province du Congo central. Les premières informations indiquent qu'ils ont été assassinés parce qu'ils se seraient présentés comme les membres de l'UDPS et des Balouba. L'intolérance a fait que ces jeunes gens ont été tabassés et brûlés vifs. Ici, je voudrais saluer l'intervention des Né-Congo. J'ai vu la plupart des notables du Congo central, que ce soit députés, que ce soit hommes politiques, que ce soit société civile, ils ont haussé la voix pour dire non. Les amis, la constitution de la République démocratique du Congo prévoit qu'un Congolais peut s'installer dans n'importe quel coin de la République. Aujourd'hui, il faut qu'on hausse la voix pour dire non au régionalisme, au clanisme, au tribalisme et à la violence liée notamment aux élans ethno-tribales qui commencent de plus en plus à prendre de l'ampleur. L'on ne peut pas accepter que dans un état de droit, deux jeunes gens soient aussi lâchement assassinés et brûlés vifs parce qu'ils seraient membres d'une certaine communauté que les agresseurs n'auraient pas voulu. La mort de ces deux jeunes garçons doit nous servir d'exemple. On doit prendre ça pour dénoncer ce qui se passe et dire que le Congo et les Congolais, nous devons rester un. Le pays doit être un et indivisible au travers de ces 2 345 000 km² de superficie. J'ai vu la première dame aller saluer la famille de ces victimes. Mama Denise Nyakeru Tshisekedi était donc là-bas. C'est une bonne chose que nous devons saluer. Je voulais aujourd'hui qu'on réfléchisse un peu autour d'un concept hypocrite, d'une démarche très, très hypocrite lancée par ceux qui se présentent comme des notables katangais, la question de la réconciliation entre des leaders katangais. Je voudrais qu'on réfléchisse autour des vrais enjeux de cette histoire-là. Vous le savez, la semaine dernière, l'ancien gouverneur Kazembe, à la tête d'une très forte délégation qui tente justement d'organiser ce qu'ils appellent la réconciliation entre Katangais, est allé chercher Moïse Katumbi dans sa ferme de Futuka, je crois. Ils disent qu'il est temps qu'aujourd'hui Katumbi puisse se réconcilier avec son frère Joseph Kabila, que les différentes fractions katangaises se mettent ensemble. Ils ont reçu une fin de non-recevoir, d'abord parce que Moïse Katumbi lui-même n'était pas dans sa ferme. Tout le monde le sait, que depuis le début du corona, Moïse Katumbi est confiné chez lui à Kachobwe. Mais à part ça, les personnes qui étaient à la ferme ont crié non à Kazembe. Je voulais qu'on en parle un tout petit peu. Kazembe est donc allé pour que Katumbi se réconcilie avec tel tel. Dans la forme,
Lorsque vous regardez dans la forme, vous avez l'impression que c'est une très bonne initiative. Vous avez l'impression que la réconciliation ne peut pas être une chose contestée. Mais faites attention. En fait, en réalité, il s'agit tout simplement d'un loup qui porte la peau d'un agneau. En sourdine, c'est un loup, mais qui a mis la peau de l'agneau en venant se présenter. D'abord sur l'homme qui est à la tête de manœuvre, l'homme désigné par ses mentors aux fins d'organiser cette rencontre, Monsieur Kazembe. Kazembe a dirigé la province du Katanga pendant un temps, vous le savez. C'était après le départ de Moïse Katumbi Tshabe. Et vous savez dans quelles conditions Kazembe a quitté la province du Katanga. Kazembe lui-même, ce n'est pas un gouverneur qui a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales de la province du Katanga. Lorsqu'on doit citer aujourd'hui les grands gouverneurs du Katanga, les gouverneurs qui ont réussi leur passage à la tête de la province du Katanga, du grand Katanga, je veux dire, on ne citera jamais le nom de Kazembe. Parce que Kazembe a fait un passage à vide dans la tête de la province du Katanga. Kazembe n'a pas réussi à marquer en lettres d'or l'histoire de cette province. Kazembe, ça n'a pas été un grand gouverneur. Et on sait dans quelles conditions Jean-Claude Kazembe est parti de la province du Katanga. Kazembe a été chassé, humilié au Katanga. Il vous souviendra qu'il a introduit une requête à la Cour constitutionnelle, ici Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle lui a donné raison. À l'époque, Chadari, ministre de l'Intérieur, Kazembe a été débarqué de l'avion. Chadari a décidé que Kazembe ne doit plus rentrer au Katanga. Donc, on peut avoir un bon message. Mais je pense que les maîtres à penser de cette histoire de la réconciliation katangaise n'ont pas choisi les bons porteurs. À mon point de vue, à mon sens, le message doit être en adéquation avec le porteur. Vous prêchez la paix, vous prêchez la réconciliation, vous prêchez la repentance, la sanctification. Vous devez vous-même faire que votre vie puisse se marier à la paix, à la réconciliation et à la sanctification. Et Kazembe, c'est un cheval, c'est un mauvais casting de la part des personnes qui tirent les ficelles en sourdine en maquillant leur combat, en maquillant leurs véritables vœux derrière cette histoire de la réconciliation des Katangi. Kazembe va voir Moïse Katumbi pour tenter une réconciliation. En réalité, les amis, qu'est-ce qui se passe? Le vrai problème, quand vous lisez correctement la démarche de Kazembe, vous allez vous rendre compte que c'est le FCC qui est derrière. Depuis un temps, le FCC a compris qu'il faut ratisser large. C'est ça l'avantage de Joseph Kabila. Vous pouvez tout dire de cet homme, mais gérer le Congo pendant 18 ans, Kabila a suffisamment eu des laboratoires qui travaillaient en sourdine. Qui a oublié Augustin Katumba Mwanke? Qui a oublié Prokoki? Le Prokoki là, c'était un siège où les caciques se retrouvaient en laboratoire pour pondre des réflexions afin de permettre à Kabila de rester au pouvoir. C'est que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas. Là où Kabila lui oppose des ténors de politique. Chez Félix, vous avez les Kabound, vous avez les Kabouya, vous avez les ceci. Déjà qu'ils n'ont pas de vrais laboratoires pour produire de vraies réflexions afin de permettre au président de la République d'aller de l'avant. Kabila a compris que là où nous partons, il faut ouvrir les jeux. Il faut ratisser large. Je vous ai dit ici que mes informations indiquaient que Joseph Kabila a même tenté un rapprochement avec Martin Fayulu. Vous avez vu la démarche de Némi Moulania et des autres qui sont allés à la prison pour rencontrer Vital Kamerhe. Et c'est dans cette même logique-là que Kabila veut se cacher derrière cette affaire
veut se cacher derrière cette histoire de la réconciliation Katangé pour tenter un autre rapprochement avec Moïse Katumbi Chapo. En réalité, en sourdine dans la démarche de Kassembe, il ne s'agit pas forcément d'une négociation ou d'une réconciliation à la Katangaise, mais il s'agit d'une démarche hautement politique. Une démarche hautement politique qui n'a rien à voir avec le discours que l'on tient du genre réconcilier les leaders katangais. Mais j'ai dit ça lorsque j'ai parlé à Vital Kamerhe ici. Félix Tshisekedi Tshilombo, les amis, peut arriver au pouvoir de la manière dont la Moukassé, critiqué par Fayoulou et les autres. Mais l'avantage de Félix est qu'aujourd'hui, Félix est encore épousable. Ça ne sera pas scandaleux, par exemple, de voir Martin Fayoulou demain côte à côte avec Félix Antoine Tshisekedi. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au-delà de tout, est encore épousable. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de Congolais veulent qu'il y ait une sorte d'unité nationale autour de Félix Antoine Tshisekedi et des autres grands leaders pour fragiliser Kabila. Parce que la plupart des Congolais sont convaincus que le problème de la République démocratique du Congo, c'est le FCC de Joseph Kabila. Kabila, c'est un fin stratège, un fin politique. Je vous ai dit qu'il a réussi à prendre sur l'État. Il sait qu'aujourd'hui, sa survie passera par une sorte de ratissage large. Il sait que dans les jeux des équilibres politiques, demain, sa force dépendra des alliés qui sont autour de lui. Parce que vous les vouliez ou pas, tout le monde le sait, que la force qu'a Kabila aujourd'hui sur la majorité, la force politique de Kabila est une force issue d'un processus chaotique qui lui a permis d'avoir une majorité artificielle. Mais Kabila sait qu'aujourd'hui, si on doit organiser des élections et des bonnes élections, qui va voter le FCC dans ce pays? Il lui sera difficile de tripatouiller les élections comme il est en train de faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il tient mordicus à voir une autre personne qu'il peut drainer. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez le FCC soutenir Ronsard Malonda. Parce que Ronsard Malonda est une preuve, est une assurance d'avoir un œil, une autre main mise sur la centrale électorale comme il avait avec Corneille Nangaï et les autres. Et pour ratisser large, il va se cacher derrière une procédure qui en forme est une bonne procédure, mais dans le fond, c'est une science politique, une démarche essentiellement politique. Mais voici les dangers. Aujourd'hui, les gens doivent le savoir. J'ai dit ça à Vital Kamerhe. Et je vais le dire aussi à Moïse Katumbi. Heureusement que le chairman de Lubumbashi a compris. Toute personne, tout homme politique aujourd'hui qui va s'allier à Joseph Kabila perdra beaucoup au sein de l'opinion. Parce que Kabila, c'est un homme honni, c'est un homme vomi. On se passera pour un traître. S'afficher avec Kabila aujourd'hui, politiquement, c'est une grosse erreur. C'est une très très grosse erreur. Et Katumbi le sait. D'ailleurs, si on doit rester dans la démarche de la stratégie de la réconciliation entre leaders katangais, j'ai déjà fait un décrit ici d'information sur la notion du leader katangais. J'ai théorisé la question du leadership du leader katangais. Kabila, ce n'est pas un leader katangais. Kabila, c'est un leader katangais par adoption. Puisqu'au Katanga, quand on parle de leader katangais, on voit les personnes qui ont fait l'histoire du Grand Katanga. Des personnes qui ont une certaine... des assises dans le Katanga. Qui ont un certain enracinement dans le Katanga. Kabila n'a pas grandi au Katanga. Kabila n'a pas étudié au Katanga. La notion de leader katangais est une notion qui représente la question des pères, des lumières pour les katangais. Personne ne peut contester aujourd'hui lorsqu'on dit par exemple de Tshiomwe que c'est un leader katangais. Personne ne peut contester ce statut-là à Kyungu ou à Kumwanza.
Personne ne peut contester ces statuts-là. À Moïse Katumbi, par exemple. Mais Kabila est aujourd'hui un leader du Katanga par adoption, par le simple fait qu'à un moment donné de sa vie, l'homme se retrouvait comme président de la République. Mais dans le fond, Kabila n'a aucun enracinement dans le Katanga. Et ce statut du leader katangais que la plupart des gens lui donnent, en réalité, Kabila ne le mérite pas. Parce que dans le fond, on ne peut pas dire de lui. Il est leader katangais par adoption, pas leader katangais des souches. Kabila, ce n'est pas Kiungwaku Mwanza. Kabila, ce n'est pas Jean-Claude Muyambo. Kabila, ce n'est pas Moïse Katumbi Tshapwe. Ceux-là ont des souches. Dans l'histoire du Katanga, ils y ont vécu, ils ont un certain enracinement dans le Katanga. Et aujourd'hui, on veut utiliser Kazembe pour amener Moïse Katumbi dans un piège. Si le patron d'Ensemble pour la République tombe dans ces pièges-là, il sera le grand perdant parce qu'il s'affichera avec un homme honni, parce qu'il s'affichera aux côtés d'un homme vomi et il subira le rejet que le Congolais ont contre Kabila. Moïse Katumbi le subira. Vois Kazembe ce qu'il est en train de dire. Kazembe fait une interview devant la femme de Katumbi en disant « Notre frère Katumbi est instrumentalisé par des gens qui ne sont pas katangais. » Il parle de Francis Kalombo. Il cite Salomon Idi Kalonda. Il parle de Olivier Kamitatu. Voilà cet homme qui a mal dirigé le Katanga à son temps, qui se comportait un vrai dictateur dans le Katanga, qui a été chassé de la province du Katanga, débarqué de l'avion ici par Emmanuel Ramazani Shadari. Aujourd'hui, c'est Kassembe qui veut tirer les fibres ethno-tribales. Mais si Katumbi a à côté de lui Salomon Idiké du Maniema, il a à côté de lui Olivier Kamitatu qui est de la province de l'Équateur, il a à côté de lui Francis Kalombo Kassayen, mais ça prouve que Katumbi c'est un vrai leader. Ça prouve que la stature de Katumbi c'est une stature nationale. Ça prouve que cet homme a une envergure d'être président peut-être demain. Ceux qui ont fait la communication, et notamment la communication politique, vous diront que les vrais hommes politiques, dans chaque étape de leur vie, ils passent un message. On ne peut pas aujourd'hui reprocher à Moïse Katumbi le fait d'être entouré de tous les hommes de tous les coins de la République. Et Kazembe, envoyé par le FCC, dit que Moïse est instrumentalisé par les gens qui ne sont pas katangais. Ne pas être katangais enlève quoi à Francis Kalombo? Ne pas être katangais enlève quoi à Olivier Kamitatu? Ne pas être katangais enlève quoi à Salomon Idi Kalonda? Ils viennent soutenir leur leader. Et d'ailleurs, de ce fait, Moïse Katumbi, en gardant ses hommes autour de lui, il laisse passer l'image d'un rassembleur, d'un nationaliste et de quelqu'un qui n'est pas attaché aux tribus et aux clans. Donc, Katumbi doit faire très attention. Heureusement qu'il le comprend. Kazembe n'a pas une bonne démarche. La démarche de la réconciliation katangaise là est une démarche hautement politique. C'est un appât que Kabila lance contre Katumbi. Le problème, Kabila veut tout simplement ratisser l'arche. Le problème, Kabila veut ouvrir les horizons. Kabila comprend qu'aujourd'hui, à la lueur où vont les choses, avec le souci d'émancipation qui s'est fait de plus en plus sentir avec son allié Félix-Antoine Tshisekedi, il faut trouver d'autres débouchés. C'est ça l'objectif de Kabila. C'est ça l'objectif des laboratoires du FCC. Ils ont tenté avec Martin Fayoulou. Ils l'ont fait en allant voir Vital Kamerhe. Et maintenant, pour Moïse Katumbi, il se cache derrière une histoire de réconciliation katangais. Mais Kazembe ne comprend pas. Si l'on doit réconcilier le katangais, mais où était Jean-Claude Kazembe lorsque Moïse, le même Moïse là, était malmené dans le Katanga par son frère Kabila,
Qui a empêché Moïse Katumbi, Nazambi, Aotala Kasumbalesa, d'entrer dans le Katanga? C'est le même Kabila. Qui a sorti l'affaire de Deris de Will ici? Tous les proches de Katumbi, envoyés en prison plusieurs mois ici à Makala, c'est Kabila. Kazembe croit que les gens sont amnésiques pour aujourd'hui faire une démarche politique en se cachant derrière l'idée de la réconciliation katangaise. Les amis, ici c'est vraiment l'histoire du loup habillé dans la peau d'un agneau. Le problème est de happer. Il faut happer toutes les personnes en se cachant, en se maquillant derrière une idée noble qui est celle de pouvoir réconcilier le Katangais. Mais dans le fond, l'objectif est de pouvoir ratisser l'os, de trouver d'autres débouchés et de trouver des alliés. Parce que plus on évolue, on sent de plus en plus que le mariage entre Kabila et Félix commence à coincer. Et les laboratoires du FCC réfléchissent comment trouver d'autres débouchés. Ils veulent ratisser l'arche. En ratissant l'arche, l'objectif est de mettre Félix-Antoine Tshisekedi en sandwich. Malheureusement, on a l'impression que dans l'autre camp, dans le camp du président de la République, c'est la distraction, c'est la somnolence et pratiquement le sommeil. Lorsque le FCC travaille, lorsque le FCC tente même l'impossible, ici vous avez Kabound, vous avez Kabuya et l'UDPS qui se rentrent dedans. Vous avez Chilumbu et Chulumbay. Vous avez Jekman Chabani et les autres qui se règlent. À coup de poing, qui se règle devant les. À coup de communication médiatique des problèmes. Alors qu'à ce moment ici, il fallait absolument resserrer les liens autour du président de la République et réfléchir sur, un, comment faire décoller les pays. Parce qu'au finish, à un moment donné, que vous le vouliez ou pas, Félix doit défendre son bilan. Et souvent, certaines personnes n'aiment pas quand j'ai dit ça. Vous ne viendrez pas en 2023 ou au-delà nous dire « C'est Kabila qui nous a bloqués ». Non, non. Le président de la République doit défendre un bilan en 2023. L'on ne peut pas avoir un bilan élogieux si on reste dans le contexte actuel et si un vrai laboratoire ne travaille pas aux côtés du président de la République pour l'aider, pour le pousser à aller de l'avant. Et moi, j'ai toujours été convaincu qu'aller de l'avant avec Félix-Antoine Tshisekedi, c'est fragiliser Kabila. Monseigneur Ambongo l'a dit, si nous voulons voir les changements dans ce pays, si nous voulons que les choses évoluent, il faut s'organiser pour fragiliser Kabila. Parce que Kabila, aux côtés de Félix-Antoine Tshisekedi, restera un frein. L'homme ne pourra pas accepter que Félix réussisse en 5 ans là où lui l'a échoué en 18 ans. Tu vois, vous voyez plutôt ce qui se passe. Là, il s'organise pour dévier l'attention sur des questions existentielles, sur des questions majeures, des questions liées à l'amélioration des conditions socio-économiques de la population, des conditions liées à l'amélioration des vies. Non, à la place, ils vont faire un focus sur des questions politiques. Tel a signé une ordonnance, Bissoto Zalakite. Tel a signé une ordonnance, ministre est bloqué. Tel. Tous les débats politiques, est tourné aujourd'hui essentiellement sur des questions politiques, en faisant focus sur des guerres intestines, des guerres de bas étage, de bas niveau, pour lesquelles le peuple ne trouve pas de compte. On éloigne le président de la République de plus en plus des besoins primaires et des besoins importants de la population. Et en 2023, je me demande quel discours l'homme aura. En faisant ça, le président de la République et même Joseph Kabila sont en train de faire les lits de Lamuka. Parce qu'en 2023, à l'allure où vont les choses, j'ai l'impression que seul Lamuka pourra avoir un discours. Parce qu'ils n'ont pas de bilan à partager. Ici, d'ailleurs, il faut leur dire, ça serait une grosse erreur que d'entrer dans ce que j'entends ici, dialogue. Si on va aller dans une sorte de conciliabule de dialogue pour parler de la réforme électorale, oui. Mais si Lamuka aujourd'hui s'engage dans une démarche de dialogue pour le partage des postes, ça sera une très grosse erreur. Il faut laisser Félix et Kabila s'embourber, se rentrer dedans comme ils sont en train de rentrer dedans. Ça permettra à Lamuka et aux autres leaders d'avoir un discours en 2023. Venir entrer dans une histoire d'un mariage qui commence à donner des signes
qu'il est en train de se lézarder, de se fissurer à grande échelle, c'est prendre le risque d'entrer dans un bateau qui coule et demain de partager le bilan de ce bateau-là qui est en train de couler. Le président de la République aura un mot à dire s'il réussit à fragiliser Kabila et son FCC. Parce que les amis, il ne faut pas qu'on se voile la face. D'une certaine manière, le FCC et Joseph Kabila sont pour beaucoup dans la destruction structurelle de notre pays. Et lui et ses hommes, ils doivent rendre de compte. Ça, c'est extrêmement important et ils doivent le comprendre. Donc, comprenez que la démarche de Kazembe est une démarche essentiellement politique, dictée par les laboratoires du FCC de Joseph Kabila. L'objectif est simple, ratisser large, trouver d'autres débouchés, trouver d'autres marchés, d'autres alliés pour mettre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en étau. Mais je l'ai dit, malheur aux hommes politiques qui se laisseront séduire par la sirène kabylienne. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan de la consommation, sur le plan de l'image, sur le plan de l'opinion nationale et même internationale, s'afficher aux côtés de Kabila, c'est une grosse erreur. Vous allez me dire, mais Félix s'est affiché avec lui le président de la République. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours dit au président de la République que l'on peut tout dire. Le Congo a la chance de vous avoir comme président. Pourquoi ? La seule chance que nous avons, c'est qu'au moins aujourd'hui, on parle de Félix comme président et non pas de Joseph Kabila. Parce que l'objectif, la volonté de la plupart des Congolais était de voir cet homme qui a détruit le pays pendant 18 ans être mis de côté. Au moins, Félix nous a permis de mettre de côté Joseph Kabila. Mais non, le problème, c'est ce qu'il fait de ce pouvoir-là. S'il agit correctement, les gens qui critiquent même son arrivée au pouvoir, la voie utilisée selon ses détracteurs pour arriver au pouvoir, même ceux-là vont l'applaudir. Et on dira en français que la fin justifie les moyens. Mais s'ils se laissent distraire dans leur mariage contre nature, avec à côté de lui des lieutenants qui ne comprennent pas des grands enjeux à venir, qui doivent se souder les coudes, qui doivent travailler pour le soutenir, qui doivent mettre en place des labos pour contrecarrer la machine de l'axe du mal qui est le FCC, ça sera très compliqué pour lui. Les amis, le plus important pour nous, c'est notre pays. Tout ce que nous disons, nous comme peuple, au-delà de ces calculs et de ces manœuvres politiques, on veut tout simplement l'amélioration de nos conditions de vie, ce qui n'arrive pas jusqu'à présent. Si les Congolais mangent correctement, ils se soignent correctement, ils vont à l'école correctement, vos guéguerres politiques-là, nous, on va s'en foutre. Malheureusement, vous vous battez, on se rend compte que vos frères et vos familles sont mis à l'abri du besoin. Les gens arrivent pauvres au pouvoir, quelques temps après, ils en sortent riches, mettant à l'abri leur famille et leurs proches. Au détriment, malheureusement, de la grande majorité de la population. Donc, Moïse Katumbi doit faire très attention. C'est un piège. La démarche de Kazembe et des autres leaders katangais pour une réconciliation au Katanga est un piège contre Moïse Katumbi, fourbi, organisé dans les laboratoires du FCC de Joseph Kabila. Madame, Monsieur, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je le serai également lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci et à vous demander de continuer à nous suivre. Bonsoir chez vous.